je vais vous montrer comment je fais une confiture avec du pastèque. C'est très très bon et ça évite beaucoup les déchets. Parce que souvent, l'écorce est très épaisse quand on mange un pastèque. Mais moi, je récupère et je fais de la confiture. Je vous montre ça tout de suite et c'est très bon. Pour ça, je vais avoir besoin d'un pastèque, bien sûr, d'un citron et de sucre. Alors, je prends mes pelures de pastèque. Bien sûr, le verre, je l'enlève. Hein, parce que ça, c'est pas très bon. Voilà. Et ensuite, je vais couper des petits morceaux. Des petits carrés, comme ça. Ça, je n'en ai pas besoin. Voilà. Je continue avec tout mon pastèque comme ça. Bien sûr, en général, quand on mange un pastèque, on n'aime pas trop laisser de rouge. Mais plus on va près du bord, plus c'est... Enfin, moins c'est bon. Mais là, franchement, j'ai aucun remords à laisser un peu de rouge. Parce que je fais une bonne confiture avec. Quand c'est un peu trop large, je le coupe comme ça. Voilà, des petits morceaux comme ça. Et je vais faire ça avec tout mon pastèque. Et voilà mon dernier morceau. Voilà. Alors là aussi, je coupe des petits morceaux parce que je vais pas mixer. Enfin, je vais pas faire une marmelade. Je veux faire une confiture, donc je ne mixe pas. Et voilà le résultat. Maintenant, j'y ajoute le jus de mon citron. Et ensuite, je vais mettre le sucre. Et je vais mélanger tout ça. Voilà. Bien mélanger. Ensuite, je vais couvrir ça avec un cellophane. Et je vais mettre ça au frigo jusqu'à demain. Et demain, on pourra cuire notre confiture. Voilà mon pastèque. Il a passé toute la nuit au frigo. On voit que ça a bien donné du jus. Maintenant, je vais mettre ça dans une casserole. Oups, je vois que le sucre bien resté au fond. Alors bien sûr, je vais le récupérer et le mettre dedans. Et je vais mettre ça à cuire maintenant, à mijoter pendant environ 40 minutes et en le brassant de temps en temps pour être sûr que ça ne tâche pas au fond. Voilà, on se retrouve dans 40 minutes. Voilà, je viens de le mettre sur le feu. Et maintenant que ça bouille, je vais attendre 40 minutes, à tout à l'heure. Et voilà, ça cuit, et puis de temps en temps, pas oublier d'écumer quand même. Le maquillage, moi je l'enlève. C'est pas mauvais, hein, avec ça, on peut mettre ça dans un yogourt ou bien, dans un dessert, n'importe quoi, sur une crème. Mais dans la confiture, moi, j'aime pas trop. Mais ça, c'est personnel. Hein. Voilà. Et je vais laisser cuire ça en brassant de temps en temps. Et en écumant encore une ou deux fois, je pense.
Voilà. 40 minutes. Voilà, maintenant 40 minutes que ça cuit, je vais arrêter le feu et je vais faire, je teste de l'assiette, je sors une assiette du frigo, je mets un tout petit peu de confiture dessus et je vois qu'elle coule trop encore. Alors je vais laisser ça mijoter encore une dizaine de minutes. Voilà, et on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, maintenant ça fait encore 10 minutes. Je vais refaire le test de l'assiette. Je sors mon assiette du frigo. Et cette fois, ça a l'air de tenir un peu mieux. Ah, cette fois c'est bon, ok. Je vais pouvoir mettre ma confiture en bocaux. Je les ai mis à stériliser. On se retrouve dans 2-3 minutes quand ils sont prêts. Maintenant, j'ai préparé mes bocaux. Alors, je vais les remplir. Ça va pas m'en faire beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de pastèques. Et voilà pour le premier. Allez. Hein? Maintenant, je le ferme et je vais le retourner à l'envers et le laisser refroidir ainsi. Je continue à remplir mes bocaux. Je fais ça avec tous les bocaux. Simplement les remplir, les fermer, bien les fermer et les retourner. Et voilà ma confiture de pastèque. Je mets à l'envers. Voilà, une fois terminé, j'ai mis le reste dans une assiette parce que je vais déjeuner avec. Et les bocaux terminés. Il faut, bien sûr, il faut mettre une étiquette pour indiquer ce que c'est. Et puis la date de fabrication. À l'abri de la lumière et dans un endroit à peu près frais. Ça se garde assez longtemps. Je vous invite à en faire autant. Moi, je vais aller déguster cette confiture et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bon appétit !